On s'aimait tous les deux. Dis donc, il y a quelque temps qu'on a eu des nouvelles de ton père. Justement, il m'a téléphoné cet après-midi. Ah oui? Pourquoi? Pour m'annoncer qu'il avait invité les moineaux à souper. Ici? Non, au restaurant. Avec Caroline et Pierre-Paul, sans doute. Non, avec la grand-mère. Quoi? Mais je te l'ai raconté l'autre jour, depuis qu'elle a travaillé ici. Il s'intéresse à son club de l'âge d'or. Oh! Non, mais Pierre-Paul, ça me dépasse! L'âge d'or, moi aussi. Mais non, ton père! Je ne vois pas pourquoi. Mais un homme du monde comme lui, avec cette femme... âgée. Mais c'est qu'il est plus très jeune, lui non plus. Oh, mais tout de même. Oh. Où vont-ils souper? Tu veux qu'on les accompagne? Non. Non, je demandais ça comme ça. Il me semble qu'ils m'ont dit qu'ils allaient au Chat Perché. J'imagine Monsieur Moineau entrant au Chat Perché. Je suis en train de me demander si on n'aurait pas été mieux de refuser. Mais voyons, Marcel-Marie, c'est bien difficile de dire non. Mais pour ça qu'on dit oui. Non, mais nous vois-tu, là, dans un restaurant français avec le grand-père Pinson puis ma mère? Les restaurants français, mon Dieu, ça doit pas être si compliqué que ça. Ben, c'est ça que tu penses. Je suis déjà allé chercher des clients, là, dans ces restaurants-là. Ça attend au bord de la porte. Si monsieur veut bien attendre... Fait que moi, je leur répondais, ben, monsieur va attendre dans son taxi. Hein? Oui, mais là, on y va pas en chauffeur de taxi. On y va en invité du grand-père Pinson. Ta mère aurait été déçue si on avait refusé. Ah, mais lui, ça ferait peut-être mieux son affaire. Ouais. Mais Marcel-Marie, il a téléphoné lui-même pour nous inviter. Il a même insisté. Oui. Ça doit être parce qu'il veut nous mettre dans sa poche, je suppose. Pourvu qu'il nous mette pas dans son assiette. Wow! Oh, toi, là! Ben quoi? Je vous trouve beaux tous les deux. C'est vrai que c'est pas mal, hein? Laisse faire, veux-tu? L'habit fait peut-être pas le moine, mais il défait pas le moineau. Hein? Allez, Madeleine! Comme ça, vous allez souper au Chat Perché? Ben, on rit pas, hein? Non, on rit pas. Est-ce que c'est Jean-Jacques qui va vous conduire? Ben non, j'ai pas moyen de me payer un taxi. Je vais me conduire moi-même. Non, ben, allons-y. Toi, passes-tu la soirée ici? Non, Pierre-Paul vient me chercher tout à l'heure. Ah! Vous allez percher à son appartement? Jean-Jacques va avoir le salon. Ah, ben tiens! Il a tendu la perche à quelqu'un, lui aussi? Ah, ben oui, Marie-Madeleine. Oui, j'arrive. Mais bonne soirée, au Chat Perché. Fait que le choix sera pas perché trop haut, parce qu'on va revenir de bonne heure, je te jure. Papa m'a dit qu'il irait probablement à Saint-Cyril la semaine prochaine. À Saint-Cyril? Eh oui. Ton village natal. Mais qu'est-ce qu'il irait faire là? Mais la grand-mère Moineau est toujours propriétaire de la ferme qu'elle a quittée l'automne dernier. Mais ne me dis pas que ton père a l'intention de... Il n'a aucune intention, mais Madame Moineau, la grand-mère, lui a demandé des conseils relativement à la vente de ses biens. Ah. Alors, il veut voir les lieux, en parler au notaire de l'endroit, et un de ses beaux-frères. Bon, mais ton père n'a pas de beau-frère à Saint-Cyril? Non, c'est le beau-frère de... Madame Moineau, la mère de Monsieur Moineau. Oh, cette parenté de Moineau! Oui, c'est un monsieur Oscar Moineau, le frère du grand-père de Caroline, qui est décédé. Récemment? Mais ce n'est pas l'oncle qui est décédé, mais le grand-père de Caroline, le père de Monsieur Moineau. Et c'est à l'oncle Moineau en question que la grand-mère Moineau a confié la garde de ses biens en attendant la vente. Ah bon? Mais dis-moi, est-ce que ton père irait là-bas avec la mère de... Mais ça va de soi. Tu trouves que ça va de soi, toi? Mais puisque ce sont ses biens à elle... Il s'agit peut-être de ses biens à elle, mais il s'agit de ton père à toi. Papa est un avocat à la retraite et ça le distrait de s'occuper de la sorte. Belle distraction, oui. D'ailleurs, Pierre, Paul et Caroline ont l'intention de s'y rendre eux aussi. À Saint-Cyril? Ben oui, pourquoi? J'espère qu'ils n'ont pas l'idée d'acheter la ferme. Mais pas du tout. Caroline veut revoir les lieux où elle allait en vacances chez ses grands-parents quand elle était enfant. Et s'intéresse Pierre-Paul
de voir ce coin de terre où le père de celle qu'il aime a passé sa jeunesse, son enfance. Oh, on nage en pleine poésie campagnarde. Papa et maman sont-ils partis? Oui, ils viennent tout juste. Ah. La place est libre. Ouais, si la fille que j'attends l'était autant. Comment? Elle est mariée? Ben non, c'est Anita Boileau. Pas celle qui venait jouer dans la ruelle? Ah ouais, comme nous autres, là. Ouais, si je me rappelle bien, elle jouait pas tout à fait comme nous autres, elle. Ouais, mettons qu'elle était un petit peu plus audacieuse. Et astucieuse, surtout. Ouais, mais les temps ont bien changé pour elle comme pour nous autres, hein. Comme ça, c'est les grandes retrouvailles. Oh, mais je l'ai revue quelquefois depuis que je suis revenu d'Abitibi. Es-tu en amour? Ouais. Ouais. Puis, elle? Ah, elle a dit que ça y fait peur. Ah, ben, si ça y fait peur, c'est parce qu'elle est pas en amour. Ah, ça, c'est... Hein? Mais ton jeune avocat pis toi, ça a l'air plus que sérieux. Oui. Il t'a-tu demandé en mariage? Oh, le mariage de nos jours. Ouais, je sais bien. Mais ça doit pas être un gars cassé, hein? Hey, son père pis son grand-père qui sont avocats. C'est pas une question d'argent. Quand t'en as, non. Mais quand tu n'en as pas, oui. On voudrait vivre ensemble un petit bout de temps, tu sais, avant... Ah, un noviciat! Ah! Hey, j'ai fait ça avec une fille en Abitibi, mais... Toi? Ah, elle aussi. Ça a duré combien de temps? Six mois. Puis? Puis, ben, c'est tout. Ça marchait pas, ça fait qu'on a pris chacun notre barre. Vous étiez pas en amour? Au début, ça ressemblait à ça, ouais. C'est un peu ça qui me fait peur avec Pierre-Paul. Ah, mais vous autres, c'est pas pareil. Hey, vous autres, ça fait 8 mois que vous sortez ensemble. Nous autres, on s'était à côté tout de suite en partant. Oh, Jean-Jacques, parle pas comme ça, s'il vous plaît. Ben quoi? J'aime pas ça, ce mot-là. Ben oui, mais je viens de te le dire que ton Pierre-Paul pis toi, c'était pas pareil. Hey, Mireille pis moi, là, la première affaire qu'on a su, là, c'est que on s'était retrouvés dans le même lit. Ah oui. Quelques mois après, je faisais l'amour avec elle, mais j'arrêtais pas de penser à Anita. Tellement que je l'ai écrit avant de m'en revenir. Je sais ça, oui. Mais ce que tu sais pas, là, c'est qu'elle, elle faisait la même affaire avec un autre à Montréal. T'es mal placé pour lui reprocher, hein? J'y reproche pas non plus. Non, mais ça a pas l'air de te réjouir au plus haut point non plus. Non, mais ce que je trouve de bête, là, c'est qu'un gars pis qu'une fille qui s'aiment, ils font l'amour à 400 000 de distance avec un autre gars pis une autre fille, tu sais. Mais coudonc, toi, t'as-tu fait l'amour avec ton ami? Ben, voyons, Jean-Jacques. Ben quoi, c'est pas la fin du monde, là. Justement, moi, je voudrais que ce soit le commencement du monde. Hé, hey, t'es en amour pour vrai, toi. Ouais. C'est pour ça que j'ai peur d'aller vivre avec lui. Mais au contraire, hey, si vous vous aimez vraiment, là, ça va être pour tout le temps. Tu penses? Hey, j'ai lu pas mal là-dessus, moi, pendant que j'étais en Abitibi. Chômeur, là, je te dis que ça te donne le temps de lire. Mais, t'as-tu parlé de ça avec maman? Un peu, oui. Puis? Ben, maman... Ah, c'est vrai qu'elle puis papa, ces affaires-là, ils ont pas connu ça, là. Des fois, j'aurais quasiment aimé mieux vivre dans leur temps. Ah, mais tu sais, ils devaient avoir d'autres sortes de problèmes, eux autres. Ouais, en tout cas, ça avait l'air moins compliqué. Ah, mais ils nous disent pas tout. Bon, ben, allez, moi, il faut que j'aille chercher Anita. Ouais. Allez, on s'est donné rendez-vous au dépanneur chez Méo. C'est pas l'endroit le plus romantique. Ah, je sais bien, mais elle puis moi, ça nous rappelle des souvenirs. Mais après ça, on va s'en venir veiller à la maison. Moi, j'attends Pierre-Paul. Tu vas-tu passer la soirée à son appartement? Mmh. Tiens, ça doit être lui. Ah, avoir 20 ans de nos jours. Eh bien, moi, j'estime que la vingtaine, quelle que soit l'époque, est une période privilégiée de la vie. Oh, mais c'est si compliqué maintenant. Il me semble que pour vous, les femmes, on est au contraire simplifié bien des choses. Mais si tu fais allusion aux choses de l'amour, il y a des simplifications qui ont plutôt compliqué les choses. En général, les femmes ne semblent pas s'en plaindre. Elles ne s'en plaignent peut-être pas en général, mais en particulier. Hmm? Je ne connais les femmes qu'en général. Et c'est une des difficultés de la vie. Ben quoi donc? De connaître les femmes en général et de vivre avec une en particulier. Je préfère cela. Pourquoi?
Il y a des hommes qui ne connaissent mieux les femmes en particulier que pour bien les conduire en général. Si tu passais quelques jours à mon bureau, tu verrais que les femmes contre-attaquent sur tous les plans. Oh, mais les hommes ne battent pas en retraite pour autant. Je dois dire que la plupart se défendent avec acharnement, oui. Oh, mais tu ne trouves pas ça déplorable, toi? Qu'ils se défendent? Mais non, cette guerre entre hommes et femmes. C'est peut-être ça, la troisième guerre mondiale. Chaque fois que je viens ici, c'est toujours la même chose. Eh bien, pour moi, c'est jamais la même chose. Fais-moi ton manteau. Non. Ce que je veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu le sais bien. Non, mais pour éviter là, tout malentendu, là, faudrait que tu t'expliques un peu, hein? Viens. As-tu quelque chose à boire? Non, tantôt. Ah. Bon, qu'est-ce que tu disais, là? Ce que je disais, c'est que chaque fois que je viens ici, je voudrais que ça dure toujours. Mais rien ne nous l'interdit. Je sais. Alors? Je vais annoncer la nouvelle à maman. Quelle nouvelle? Qui va l'annoncer à papa. Oh, quelle nouvelle? Qui va dire, je le savais. Oui, mais moi, est-ce que je le saurais? Toi, tu le sais déjà. Tes parents sont sortis? Ouais, ça ne leur arrive pas souvent, là, mais à soir, là, c'est un spécial. Ils ont été invités à souper d'un restaurant français par le grand-père Pinson. Qui c'est, celui-là? Ah, ça, là, c'est le père du jeune avocat qui sort avec ma sœur Caroline. J'en ai entendu parler, oui. Ah, du grand-père? Non, du jeune. Ah. La semaine que j'ai passée au dépanneur chez Méo, ton père en parlait quasiment tous les jours. Ah oui, au début, là, ça l'impressionnait bien gros. Mais là, il a commencé à s'apercevoir que les avocats, c'est du monde comme les autres. Les jeunes, surtout. Comment ça? Ben, imagine-toi donc que ma sœur Caroline puis son Pierre-Paul, ils veulent aller vivre ensemble. Oh, ça? Pas besoin d'être avocat pour ça. La cour est ouverte à tout le monde. Ouais, il y en a même qui prennent ça pour une cour de récréation. Les gars, surtout, oui. Ah, ben, c'est peut-être parce que les filles sont plus amusantes que les gars. C'est une pierre dans mon jardin. Non, dans ta cour. Oh, tu me dis pas que tu vas jouer au juge. Ah, je connais pas la loi. Dans ce domaine-là, chacun fait la sienne. Ah, chacun fait la sienne, mais ils sont tous pareils. Qu'est-ce que t'en sais? Ah. J'ai fait comme toi. J'ai essayé ça, moi, ici, en Abitibi. T'es essayé ça loin. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? La cour était fermée ici, ça fait que j'allais voir si elle était pas ouverte ailleurs. Et comment est-ce que ça plaît? Ah, ça n'a pas d'importance, ça. Ah non? Ah non, parce que à chaque fois que j'étais avec elle, c'était à toi que je pensais. Tu me fais la cour? Ah, si la cour est ouverte, ouais. Ah, oh, de toute façon, là, j'allais déménager. C'est vraiment trop petit ici. La moitié de mes choses sont encore à la maison, là. J'ai hâte de les avoir autour de moi, là. J'ai hâte surtout de t'avoir, toi, autour de moi. Mais dans le moment, c'est surtout toi qui es autour de moi. Ça t'ennuie? Non. Oh. Ah, tu sais, j'avais déjà pensé à quelque chose, mais là, ça change tout, là. Comment? Eh bien, nous allons chercher notre appartement ensemble. Quand même qu'on n'est plus à l'époque de la reine au foyer, là. Faudra quand même trouver quelque chose qui soit à ton goût, non? Oh, j'ai pas des goûts compliqués. Non, mais enfin, je sais pas, moi, tu vas vouloir arranger, décorer, aménager? En bleu! Ah, tu vois, t'as déjà trouvé ta couleur. Ben, si ça te plaît aussi. Oh, ça me plaît certain. C'est ma couleur préférée. J'ai toujours aimé le bleu. Celui de la mer, celui du ciel. Puis, celui de tes yeux, surtout. Je te dérange? Non, j'ai terminé ma recherche. Eh bien, t'es chanceux, toi. Comment? Non, je dis que t'es chanceux parce que moi, je n'ai pas terminé la mienne. Ah, tu fais une recherche? Oui, je cherche à comprendre. Comprendre? Comment nous en sommes arrivés là? Oh.
ça ne va pas. Mais justement, alors que tout allait si bien, qu'on s'aimait tous les deux, que notre Pierre-Paul venait de terminer brillamment ses études, et qu'un avenir des plus prometteurs s'ouvrait devant lui... Ah, viens t'asseoir. Mais il est bien sûr qu'on ne peut plus s'aimer comme on s'aimait autrefois. Tiens, tu ne m'aimes plus? Mais si, oui, je t'aime comme autrefois, mais autrement. Ça veut dire quoi, ça, autrement? Ah, ben, ça veut dire, ben, autrement, c'est tout. C'est le comble. D'une certaine manière, oui. Non, mais au moment même où j'allais m'entretenir avec toi du problème de ces moineaux qui sont venus se percher sur une des branches de notre arbre familial, et voilà que tu m'apprends que tu ne m'aimes plus. Mais je n'ai pas dit ça. Ben? C'est toi qui m'as dit que tu voulais chercher à comprendre comment on en était arrivé là. Alors, moi, j'ai cru, je ne sais pas, moi, j'ai pensé que tu voulais parler de nous deux. Mais parlons-en, justement, là. Mettons, depuis que tu as soulevé le voile. Ben, je n'ai pas soulevé le voile du tout, moi. Ben, mettons que tu as soulevé la question. Je n'ai soulevé aucune question. Oh. Le seul voile qui puisse exister entre nous, c'est celui des années qui ont passé, pour nous comme pour tout le monde. Bon, écoute, Marie-Hélène, je passe ma vie à rencontrer des gens qui ont dressé entre eux un mur d'incompréhension, de malentendu, d'incommunicabilité, voire même de haine. Il y en a même qui divorcent après avoir passé 30 années ensemble. Mm. Alors, qu'il existe entre un homme et une femme un voile, il n'y a pas là de quoi fouetter un chat, même perché. Bon. Non, 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 je t'aime doublement. Mm. Comme autrefois et autrement. Crois-tu que je ne pense pas à ces choses? Moi aussi. Non, 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 il ne me vient pas l'idée de reprocher à mon père de se distraire. Le ferait-il avec tous les moineaux du monde? Pas plus que je ne voudrais reprocher à mon fils, ben, je veux dire, à notre fils, d'être amoureux. Non, 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 ce ne sont pas ni les moineaux ni les pinsons qui m'intéressent en ce moment, mais une certaine demoiselle Jamais. Oui, oui, une certaine Marie-Hélène, que j'ai connue alors qu'elle avait à peine 20 ans, et que je retrouve parfois dans son sourire, dans son rire clair, dans des gestes qu'elle fait, comme elle faisait autrefois, dans une certaine manière de virevolter sur elle-même. Des détails, quoi. Oh, cher Pierre-Paul. Non, je t'aime. Je t'aime comme autrefois. T'as changé depuis 2 ans. Ouais. Ouais. Ah, mais c'est surtout l'année que j'ai passée en Abitibi qui m'a changé. L'année que t'as passée avec elle? Oh, ça a pas duré 1 an. Ah non? Ah non, tout juste 6 mois. Puis de peine et de misère. Et toi, avec ton Pierre, ça a été plus long que ça? Ouf, de peine et de misère aussi. Tu l'aimais-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, Amy? Ouais. Ah, oh, mais ça peut vouloir dire bien des choses. Ça peut être te regarder comme je te regarde. Avoir envie de l'autre. J'avais envie qu'il me prenne, mais je pense que j'avais pas envie qu'il me garde. Puis surtout, je pense que j'avais pas envie de le prendre. Bon, mais dès demain, là, on se met en chasse d'un appartement. Puis d'ici quelques semaines, là, je déménage. Enfin, on déménage. Ou plutôt, non, non, on aménage. Ça fait beaucoup de ménage, ça? Mais non, ça n'en fait qu'un, le nôtre. Mm. Mm. Hey, je connais des amis qui habitent des appartements bien, là, pas loin d'ici. J'irai demain midi, puis s'il y a quelque chose de convenable, là, nous, on ira demain soir. T'as pas l'air enthousiaste? Oui, oui. Je suis heureuse.
Il faut que je parte. On va te revoir. Probablement. Si on a réussi à se revoir après plus d'un an. Ah ouais, mais là, j'attendrai pas un an, un mois, ni même une semaine. Je te téléphone demain. Si tu veux. Ah non, non, c'est si toi tu veux. Bonne nuit. Si on allait dormir. Oh. Ah non. Non, reste encore quelques minutes. J'ai quelque chose d'important à dire. Je t'écoute. Je t'aime. Ouais, ben oui, là, les restaurants français, c'est pas mon fort. Je trouve qu'on a passé une belle soirée. Ah ben, tant mieux pour toi. Mais moi, je m'en serais bien passé. J'ai eu puis deux affaires compliquées. Qu'est-ce que tu veux? Les Français, ils sont comme ça. Je me demande comment ils doivent être chez eux s'ils sont comme ça chez nous. Ben, ils sont prévenants. Ils ne sont pas prévenants. Ils sont achalants. Oh. Faut dire que t'as été pas mal raide en arrivant, toi. Ben ouais, je leur ai demandé un autre menu. C'est vrai qu'il était un peu compliqué à lire, oui. Ben, c'est pas ça. C'est la grandeur. Il était pas petit. Ah, ouais. En l'ouvrant, j'ai failli décapiter le grand Ben Pinson qui était assis à côté de moi. Ah, d'un grand restaurant, tu sais. Ouais, ben le restaurant s'appelait le Chat-Perché, mais pour moi, eux autres, ils étaient montés sur le grand four. Toi, tu remuais dans les bras encore. Oui. Bien là.